Salut, salut tout le monde. Donc, nous voilà sur cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez donc compiler votre premier programme en langage C tranquillement. Donc là, vous n'aurez pas besoin d'utiliser ou bien télécharger ou d'installer de grands logiciels comme les code blocks et autres. Tout ce que vous aurez besoin ici, c'est juste un petit éditeur où vous pouvez mettre du code. Et donc, toutes les compilations, vous pouvez les faire directement sur le CMD. Et c'est ce qui est recommandé pour un informaticien. Donc c'est très simple, comme vous pouvez le voir donc sur l'écran, il y a un petit programme de Hello World. Donc voici mon premier programme en C. Le but maintenant dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment vous pouvez procéder pour le compiler donc directement sur le CMD. Et c'est très simple, vous allez voir. Ce dont vous aurez besoin en premier lieu, c'est juste donc un compilateur de langage C. Ça s'appelle ZCC. Et donc, il y a un lien qui se trouve au niveau de la description. Je vous conseille de cliquer sur ce lien-là et ça va vous amener directement ici. Donc, c'est moi qui ai créé le lien directement sur le net. Et là, vous n'avez juste qu'à cliquer sur télécharger. Donc, vous téléchargez le fichier. Une fois que vous le téléchargez, vous allez voir que c'est sur le format ZIP. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est donc décompresser le fichier et le copier donc dans votre disque local C. Comme vous pouvez le voir, par exemple, j'ai le fichier ici. MinGW juste par ici. Donc dans votre cas, vous téléchargez d'abord, ensuite vous décompressez et enfin vous copiez le fichier intégralement au niveau de votre disque local. Je crois que c'est très simple. Une fois là, donc comme vous pouvez le voir, on va essayer donc d'intégrer le compilateur sur CMD et ça aussi c'est très simple. Vous allez aller sur donc l'icône CPC juste par ici. Vous faites un clic droit, ensuite vous allez sur propriété. Une fois sur propriété, vous allez aller sur paramètres de système avancé. Et enfin, vous allez sur variables d'environnement. Une fois là, donc, vous allez cliquer donc, sur les variables système donc modifier. Là, donc, on va annuler. C'est par ici. Vous allez sélectionner d'abord part qui est juste par ici. Et ensuite, vous allez modifier. Voilà, donc, vous arrivez dessus, vous allez voir qu'il y a une liste donc. Et autres compilateurs qu'on peut intégrer sur CMD. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on a juste copié tout à l'heure sur C. Donc, c'est C, sur le disque local C. Donc, c'est C, MinGW, bin. On peut retourner donc dans notre disque local C, au niveau du dossier MinGW. Comme vous pouvez le voir, donc, il y a un dossier bin qui est juste par ici. Et donc, vous allez aller en haut ici et juste copier donc cela, copier ce lien-là et retourner là où on est tout à l'heure au niveau des variable d'environnement et tout ce que vous avez à faire c'est cliquer sur modifier et là donc copier ça ici. Moi donc je l'avais déjà copié et c'est tout simplement ça. Donc vous cliquez sur OK et ensuite aussi vous cliquez sur OK de l'autre côté et là tout est bon. Maintenant vous allez cliquer sur votre CMD, vous allez cliquer CMD sur la barre de recherche et on y va donc dans CMD. Ensuite on peut retourner par exemple juste. Bon, d'abord pour tester que votre ZCC marche bien et qu'il est prêt à compiler votre programme, vous pouvez faire un petit test en mettant ZCC. Donc on va mettre tirer V pour avoir donc une version de VCC, de GCC, excusez-moi. Donc tirer donc V. Voilà, et vous allez voir qu'il va vous donner beaucoup d'informations sur le ZCC. Et ça, c'est un signe que ça marche très bien. Donc on va retourner sur notre programme. Je suis sur Sublime Text. On va essayer de copier donc l'endroit où se trouve notre programme. Là donc on va mettre copy file path. On va retourner au niveau de CMD. Et là donc tout ce qu'on va faire donc c'est mettre CD, change directory, donc changer la direction pour aller donc dans une direction bien définie là où on a créé donc notre fichier. Et là vous allez copier donc les liens que vous venez de copier tout à l'heure, vous allez le coller juste par ici. Et ensuite, donc, comme vous pouvez le voir, notre programme s'appelait HelloWorld.c. Là, donc, on va d'abord lui indiquer le fichier où se trouve notre programme. Donc, c'est dans ce fichier-là, c'est User Desktop MyCode SC. Ensuite, donc, vous allez cliquer sur Entrée et comme vous pouvez le voir, on est maintenant dans le fichier. On va cliquer sur GCC. On va mettre un tiret, donc, D6. Et ensuite, on va mettre un petit O. Ensuite, on va donner le nom qu'on veut accorder donc, au programme pour que ça puisse devenir une application. On va mettre Hello, par exemple. Hello avec deux L.
Et enfin, on donne le nom du fichier C qui s'appelle helloworld.c. Donc, cela dépend de vous, dans votre cas, comment vous l'avez appelé. Donc, c'est très simple. D'abord, vous allez indiquer, vous allez changer la direction de CMD là où vous avez créé votre code. Ensuite, vous mettez ZCC-O, vous donnez le nom de l'application que vous voulez créer. Et ensuite, vous donnez le nom du fichier que vous avez donc créé comme fichier C. Et c'est très simple. Ensuite, tout ce qui reste, c'est de cliquer sur Entrée. Et voilà, donc il renvoie la même chose, ce qui veut dire que c'est bon. Et tout ce que vous avez à faire maintenant, puisque vous avez choisi d'appeler votre programme Hello, donc vous avez juste qu'à appeler donc un fichier hello.exe. Et vous allez voir que le compilateur nous a directement donc généré ce fichier-là. Et donc notre programme, ce qu'on a créé donc en C, sera exécuté dans ce fichier-là. Et dès lors que vous cliquez sur Entrée, vous allez voir qu'il va vous dire « Hello World, voici mon premier programme en C ». Et donc, c'est comme ça donc, que vous allez exécuter tous vos autres programmes. Et je crois que c'est très simple. S'il y a quelque chose qui n'est pas encore compris ou bien qui n'est pas clair dans votre tête, vous pouvez toujours poser des questions sur les commentaires et je ne tarderai pas à vous répondre. Et moi, je vous dis donc à plus tard pour d'autres vidéos.